sont précisément dans le même schéma que Vaya con Dios, un tube dans les années 80 et un autre dans les années 90. Et pour Morricone, il s'agira de sortir du succès de Yeke Yeke en 1988 pour s'essayer à celui de Banquero deux ans plus tard, issu de l'album Tuma, un disque qui contiendra de grands noms de la musique, dont Carlos Santana. Pour info, Morricone, l'héritier de la tradition des griottes, les Jelly du Mandé, un empire d'Afrique de l'Ouest. On pour...